Michel, il est trop grand, ça fait plaisir à voir. Hein. C'est bien. Je voulais profiter de cette balade en forêt pour que je t'amène quelque chose aujourd'hui. C'est pas grave, j'espère. Non, t'inquiète pas, je pensais changer de travail. Peut-être monter ma propre société. C'est pas vrai. Marcel, ne t'éloigne pas trop. Jean ? Où est Marcel ? Il doit pas être bien loin. Marcel ? Marcel ? Marcel ! Il est où ? Marcel ? Marcel ! Marcel ? Marcel ! Marcel ! Marcel ! Marcel ! Il est là-dedans, il a son jouet ! Marcel ! Oh, Marcel, réponds quand même ! Marcel ! Marcel ! Reviens ici tout de suite ! Bon, je vais le chercher. Quoi ? Ah, on va pas y passer la soirée. Sois pas trop dur avec lui. J'ai toujours à le protéger, et voilà où on en est. Je vais prouver, il va m'entendre. Marcel ! Marcel ! Il est où ? Non. Non ! Non ! Il est où ? Léonie, tu m'entends ? Oui, je t'entends ! Jean ? Jean ! Marcel !
Où est Marcel? Jean! Où est Marcel? Je sais pas, je l'ai pas trouvé! Comment ça? Mais t'as rien là-dedans, t'as un couloir et une petite pièce, c'est vide, nom de Dieu! Non mais c'est impossible! Retourne-y, t'as mal regardé! Retourne dedans, c'est impossible! Je sais pas, je me suis peut-être trompé, il est peut-être pas rentré dedans! Mais son jouet, il était devant! On fait le tour! Marcel! 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 On n'a rien trouvé, chef. L'intérieur est vide. J'espère que votre histoire est vraie, monsieur dame. Car sinon, croyez-moi, vous saurez ce qu'il en coûte de se payer la tête de la force publique. Où en est-on? Nous avons fouillé l'édifice, mais également le bois. Ici, ici et là. Et deux hommes longent actuellement la rivière, ici et en aval. Et pour l'instant, nous n'avons rien trouvé, à part ces jouets. Monsieur dame affirme qu'il n'aurait pas pu aller aussi loin. Ils ne l'ont pas quitté des yeux plus d'une minute. Aurait-il été enlevé? Ça paraît plus vraisemblable que de se volatiliser comme par magie. Tu vois, on vient de là. Oh, je pense qu'on va passer par là. Oui, c'est. Alors par contre, c'est un peu plus escarpé, mais c'est vrai qu'on devrait avoir un plus beau paysage. Ouais, t'as raison. Ok, ouais, ça va. Et tu lis quoi encore, là? Des trucs sur les légendes locales. Et alors, on va croiser des farfadets? Déjà, en Bretagne, on dit des korrigans. Et non. Mais le tumulus, il y a eu des disparitions étranges. Les gens, ils seraient rentrés, ils seraient jamais ressortis. Ah d'accord, c'est le triangle des Bermudes, ton truc, quoi. Alors déjà, c'est pas mon truc. Et t'imagines si c'est vrai? Non mais, n'importe quoi, je vais y aller, tu vas voir. Te fous pas de moi, de toute façon, mange. Guillaume, reviens, putain, t'es chiant! Assiette? Pardon. T'as un couteau pour lui? Ouais, je te donne ça. Couteau. Tiens. Un petit peu de pâté, c'est clair. Tiens, passe-moi les chips, s'il te plaît. Excuse-moi. Bon, il fait quoi là? Je sais pas. Guillaume, c'est bon? On a dit qu'on traînait pas. Guillaume, reviens, c'est bon, on a compris, t'es très courageux. Guillaume, on va tout manger, hein. Guillaume! Guillaume! Guillaume, reviens!